Eh bien, essayons d'obtenir quelque chose. Rien ne fonctionne pour moi. C'est bizarre. Je comprends pas. Oh, regarde en haut. Oui, des pièces magiques volent directement vers nous. Cool. Je peux commencer? Cool. Alors, il est temps de mettre la pièce de monnaie. Qu'est-ce que je vais choisir? Tout est si appétissant. Alors, je vais prendre des poquets et voilà la boîte. Cool. Ouais, en plus, c'est un chocolat noir. J'adore. Comme c'est bon. Je peux pas me détacher de ces trucs. Quel délice! Quoi? Il reste le dernier? Non, pourquoi s'épuiser si vite? Eh bon, je vais profiter de la dernière baguette. Et qu'est-ce que t'as, Jess? Nous allons le découvrir. La pièce à l'intérieur, et qu'est-ce que je vais choisir? C'est vrai, Babouba! Juste ce qu'il faut. Eh bien, salut! Et il est temps pour faire une énorme bulle. Oups! Oh non! C'est vide! N'importe quoi, en plus je suis toute sale. Et si je triche un peu? On va voir. Voilà. Je mets le fil, je fais le nœud qui ne permet pas de rouler, super. Voilà. Les friandises, attendez-moi. Je laisse tomber. Et je tiens les doigts pour que ça marche. Oui, j'ai du chewing-gum. Et un bouton aussi, je suis un génie. Et Jess, tu ne peux pas faire ça. Ma vie, mes règles. Voilà. C'est un illimité ici. Avec ce bouton, je vais avoir autant de chewing-gum que je veux. Plus, plus. Encore. Oh oui, tout est à moi. Ne sois pas jalouse. Waouh! Oh oui. Et maintenant, je mâche tout ce chewing-gum. Comme c'est bon. Génial. Et maintenant, je vais gonfler la plus grosse bulle du monde. Tu ferais mieux de tout cacher mal et je vais remplir toute la pièce avec des bulles. Oh, oh, oh! Non, il est trop grand. Désolée, Jess, mais j'ai pas le choix. Oups! Non, il a éclaté, je suis collée à la machine. Non, n'importe quoi. C'est marrant. T'es comme dans la toile. Oh, de nouvelles pièces, oui. Je préfère les dépenser. Et je peux recommencer. Merci. Alors, t'as faim? Tiens la pièce. J'espère que quelque chose de bien tombera. Oh non! Non, pas un Toxic Waste! C'est vraiment très, très acide! Je vais quand même essayer de lécher! Oh, comme c'est acide, ça! Bon... Aïe! Oh, je vais... Non, mais n'importe quoi, c'est vraiment acide, ça! Comme c'est drôle! Non, mais goûte-toi! Ça, ça me va! Désolée, Jess, mais il faut faire quelque chose! Oui, Snickers va m'aider! Non, mais vas-y, viens, viens! Oh oui! Ça va mieux maintenant! Et comment je vais avoir la douceur maintenant? Oh! J'ai une idée! Alors, faut moins attendre quelque chose! Je l'ai presque eu. Oh non! Non, je me fais aspirer! Oh oh! Et qu'est-ce qu'il faut faire? Oh wow! Je pense que c'est cool! Oui! Maintenant, je peux avoir tous les bonbons! Je vais commencer par Twix. Oh oui! Comme elle est bonne! Et maintenant, il est temps pour les Skittles! Alors, venez ici!
Maintenant, il faut boire du Fanta. Je l'adore. Il est tellement bon. Maintenant, il y a des marshmallows. C'est bon. Oh, comme c'est doux. Oh non. Pour moi, je vais juste le Toxic Waste. Et moi, j'ai tous les bonbons ensemble. Alors, où sont nos pièces? Oh! Sur le front? Pas très agréable, mais d'accord. La machine n'attend pas. Je veux être la première. Alors, et cette fois-ci? Oh, c'est des Oreos! J'adore ces friandises! Ils ont une farce si délicieuse! Génial! Quel plaisir! Alors, le prochain? Oh, j'en bave! Très très bon! Jess, pourquoi t'es là? Vas-y, mets la pièce! Génial! Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh! C'est une sucette! Super bon! Il est temps de goûter tout ça! Donc, qu'est-ce que c'est à l'intérieur? C'est un cafard? Et comment je devrais manger ce cafard? Bon, je vais essayer! Pas si mal! Même délicieux! Je peux pas me détacher! Jess n'a pas peur de manger le cafard. Oups. Je crois que j'ai tout mangé. Non, et le cafard bouge dans ma bouche. Oh, quelle horreur. Oh non. Le cafard sur le front. Non, enlevez-moi ça. Oh non, non. Il est sur le sol. Non, mais comment ça? Bon, il faut se mettre ici. Il m'attrapera pas. Jess, t'es tellement drôle. Oh oh. Aidez-moi! Alors, qu'est-ce qui est drôle? Non, mais il faut que je sois ici! J'espère qu'il sera pas là, oui, Jess? Alors, où sont les nouvelles pièces? Oui, ils sont là! Joui, j'ai encore la première! Tiens, donne-moi quelque chose! Oh, la Fanta! Cool, Maëlle! T'as de la chance! Mais elle est où la canette? Stop, reste là! Oui, je l'ai attrapée! Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh! Non, j'arrive pas à ouvrir! Allez, vas-y! Oh non! Ouh, c'est tellement rafraîchissant! Surtout avec le Fanta noir! Oh non! Maintenant, je suis toute mouillée et toute sale! Alors, j'espère que ça valait le coup! Il n'y a vraiment rien ici! Non, est vraiment parfait! Oups! D'accord! Maintenant, c'est mon tour! Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Voyons voir! Quoi? Sérieusement? Du brocoli? Non, c'est vraiment dégueulasse! Ouais, stupide machine! Tiens! Et encore, et encore! Tu sauras comment me donner des trucs dégoûtants. Encore du brocoli? Mais non, arrête! Oh non. Non, ne s'arrête pas du tout. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tous les manger? N'importe quoi, ça craint. Ouais. Bon, je n'ai rien à faire, c'est de ma faute. Je pense que c'est pour longtemps. Ah, où est nos copines? Bon appétit! Ouais. Bien sûr. Bon, il faut que je mange tout ça. Oui, il y a tellement de vitamines. Et c'est beaucoup plus sain que les friandises. Encore un peu? Oh, je pense que c'était trop. Ouais. Wow! Quel nouveau McDo? Et où la cafetière? Oh! T'es fou ou quoi? Pourquoi tu me fais peur comme ça? Ouais, allez, c'est drôle, n'est-ce pas? Voilà, regardez ce burger. Bon, d'accord, donnez-moi ça. Facile! Ouais, qu'est-ce que vous faites? Voilà,
Ajoutez du tabasco, s'il vous plaît. Tabasco, d'accord. Bon, on dirait que c'est tout ce qu'il y a. Je vais enfin pouvoir cuisiner. Par où commencer? Par la viande. Ouais, de la viande hachée, c'est frais et ouais, un peu gluant. Ouh, le dehors est pas très bon. Bon, je vais mettre des gants, bien sûr. Comme ça. Je vais prendre un peu de viande hachée. Je vais faire une escalope. C'est pas difficile du tout. Et maintenant, je mets tout ça dans la poêle. Bon, un pot de poivre. Et maintenant, je peux tout retourner. Oh non, j'y arrive pas. Et oups. C'est déjà au plafond. Non, mais vas-y. Allez. Non, mais s'il te plaît. Oh, ouais. Droit dans le but. Je pense que c'est presque prêt. Ça sent tellement bon. Je mets l'escalope sur le petit pain, du fromage, de la tomate, des petits cornichons, du ketchup, de la moutarde et un petit piment. Oh non, ça ne s'ouvre pas. T'as besoin d'aide. Vas-y, donne-moi le pot. J'ai de la force, moi. Oh, waouh, merci beaucoup. Je voulais vraiment de la force aussi. Bon, je vais mettre un piment. Vous êtes sûr que vous en voulez deux? D'accord, comme vous voulez. Et voilà votre sauce. Vous aimez vraiment quelque chose qui pique, quoi. Le petit pain, et voilà, c'est fait. Ouah, comme c'est épicé, n'importe quoi. Et voilà mon burger. Il est tellement beau, j'ai hâte de le goûter. Vas-y, viens voir, papa. N'importe quoi. Non, mais... Ouais, c'est tout ce que j'aime. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est pour toi. Premier salaire! Ce burger vaut chaque centime! Oh non, elle a brûlé mon argent! Bon, je ferais mieux d'y aller avec mon burger! Tout ça pour rien! Il est déjà parti! J'ai pas de chance! Est-ce que c'est un vrai McDonald's? Bonjour! Monsieur, je suis là, vous me voyez? Je veux des frites. Bien sûr, petite mademoiselle. Eh bien, j'ai besoin des frites et j'ai besoin des pommes de terre. Bien sûr, je vais bientôt éplucher. Oh, ce n'est pas aussi facile que je pensais. Et le couteau est coincé. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je m'excuse, je voulais pas. Je vais utiliser le truc spécial. Je suis comme une tortue ninja. Oh, c'est vraiment facile. Maintenant, je vais bien couper la pomme de terre. Heureusement que j'ai quelque chose de spécial. Voilà, regardez comme c'est parfait, juste ce qu'il faut. Et maintenant, bien sûr, ça va aller dans l'huile bouillante. Aïe, oh non. Oui, je vais bientôt fermer. Comment faire? Oh, je sais! C'est vraiment une bonne idée! Je vais tout mettre dedans! Et en attendant, regardez ce que je vais faire! Je vais dessiner un M! C'est le logo de McDonald's! Regardez, c'est super beau! Alors, j'attrape! Oh oui! Super! Voilà, mademoiselle! Vos frites. Ça a l'air bon, ça sent bon aussi. Et le goût? Oh oui! C'est vraiment bon. Oups, je crois que j'ai pas d'argent. Tenez ce que j'ai. Encore? Voilà mon petit jouet.
Oui, je pense que c'est bon. À bientôt. Je suis pas sûr que ce soit un paiement décent et pas de pourboire en plus. Le pot est complètement vide. Quelle journée! Bon, il y a encore de la poussière. Oh, c'est quoi ça? Ton McDonald's? Super. J'aurais bien besoin d'un verre de coca. Tout de suite. Bon. Je vais prendre des citrons et je vais presser le jus. Oui, dans le mixeur. Ça m'est rentré dans les yeux. J'ai tellement mal. Je ne vois rien du tout. Ne vous inquiétez pas, je vais parfaitement bien. Votre coca est déjà à mi-chemin. Très bien. Bon, les citrons, ça ne se reproduira plus. Je vous passe tout de suite au mixeur. Et maintenant, j'ai besoin du Sprite. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Et maintenant, j'allume. Ouais, prenez ça, les citrons. Maintenant, il faut filtrer le liquide dans un verre. Bon, je pense que ça va. Mais il n'y a pas assez de glace. Ou de glaçons. Ouais, des glaçons. Et comment l'obtenir? Allez! Oh, stupide, ça! Comme ça! Très bien. Je vais juste récupérer ce qu'il y a sur la table. C'est ça, la touche finale. La jolie paille. Et voilà, je peux servir. Oh ouais. Je tiens le verre. Et voilà le verre. C'est vide? Eh ben non. Je vais pas payer pour cela. Ciao. Non, j'ai pas réussi. J'ai pas de chance. Ouais, c'est qui? Ouais, j'en ai que moi. Je crois que c'est un café ici. Ouais, ouais, c'est le menu. Merci. Je ne vois pas très bien. Je veux bien. Ça, c'est quoi, une tarte? D'accord, une tarte. Comme vous voulez. Pas de problème. Et comment le faire? Tellement de choses à faire. Je sais pas par où commencer. Et voilà, tu donnes. Oh, je crois que mamie me donnait un 10 du lait. Ah non. Du sucre? Non. De la farine? Oui, de la farine. Super. Je vais tout verser. Alors, ça suffit? Mamie a l'air d'approuver. Je peux avoir du lait? Oui, c'est bien. Je vais verser du lait dans la farine. Comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ouais. Je crois qu'il s'est endormi. Hé, mamie! Waouh, elle dort! Bon, Zach, tu peux le faire. Il faut casser un œuf dans un bol, je pense. Et encore un autre. Et maintenant, encore deux. C'est bizarre. Oh, il est tellement dur. Oh, ouais, non, mais regardez comment il est dur. Et tiens-toi bien. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais je vais tout casser, là. J'ai réussi, mais je suis tout seul. Uberk. Bon, je dois continuer à cuisiner. Je vais ajouter du sucre. Ouais. Mais bon, ce n'est jamais trop sucré. Ouais, vraiment. Bon. Et maintenant, je vais tout remuer. Je vais utiliser mon mixeur plongeant. Oh, oh! C'est pas si facile à retenir, elle va rester la pâte dans toute la pièce. Oh non, encore je suis tout sale. Et avec quoi je dois faire la tarte? Oh, peut-être avec du pain grillé. Heureusement que mamie dort, elle ne verra pas mon life hack pour enlever la croûte. Oui, c'est tout ce qu'il me faut. Mais il manque la farce. Où est-ce que je vais la trouver? Oh, des fraises. Bien sûr. Je vais bien la couper. Et maintenant, je vais mettre ça sur le pan.
Et voilà, l'autre morceau de pain. C'est comme une tarte, n'est-ce pas? Il ne reste plus qu'à le mettre au four et c'est prêt. Et maintenant, je peux un peu jouer. Ouais, tiens, tiens. Je vais gagner là. Ouais. Ça sent le brûlé, je pense. Oh, le feu! L'incendie! Quoi, je suis là? Oh non! Non, mais je pense qu'il est temps de sortir de ça. C'est tout en fumée. Je vois rien du tout. Et voici votre tarte. Mais n'importe quoi, c'est une sorte de charbon. Et comment je dois manger? Ouais, n'importe quoi. Je vais vomir. Je ne reviendrai pas ici. Et pour boire? Le pot est toujours vide. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi de délicieuses crêpes. Et des crêpes, je suis capable. J'ai fait tellement de crêpes dans ma vie. Je connais la recette par cœur. Tu commences par mélanger la farine et le lait. Puis tu bats un œuf dans le mélange. Et voilà. Zach, qu'est-ce que t'attends? Répète après moi. Comment il faut faire? Bon, j'ai un plat creux. Il ne reste plus qu'à y verser la farine. Plus il y en a, mieux c'est. Oui, c'est pas si facile de s'occuper de la farine. Ouais, les œufs. Faut faire attention avec eux aussi. Il faut pas oublier le lait. Waouh! Mamie! Ouais, la pâte prête! Oui, il y aura des crêpes aussi. C'est génial! Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mamie, c'est votre faute! Je me suis laissée distraire par vous et j'ai accidentellement versé ma pâte. Mais c'est pas grave, je pense qu'après l'avoir secouée, ça ira. Je pense que ça ira. Oh non! Ça s'est coincé! C'est où ça? Oh non! Comment les faire sortir? Je pense que c'est dans ma pâte pour toujours. Ah oui, Zach. Tu n'es pas un grand cuisinier. Et je vais devoir faire les meilleures crêpes moi-même. J'ai pas de concurrence de toute façon. Regardez cette beauté. C'est un plaisir. Bien sûr, il faut arroser ces pancakes de sirop d'érable. Ça va être encore plus savoureux. Un peu de beurre. Ouais, ça ne ferait pas de mal non plus. Oui, mamie a réussi. Il faut colorer les crêpes. Ça va être encore plus intéressant. Wow! Génial! La pâte est prête? Oui, on allume la cuisinière. Voilà. Mes crêpes vont être géniales. Ça va être brillant et super bon. Oh, c'est vraiment mignon ça. Maintenant, je tourne cette crêpe. Voilà. De l'autre côté. Et je mets tout ça sur l'assiette. Oh non! Tout le monde a eu des crêpes si bonnes. Qu'est-ce que je vais faire moi? C'est vrai! Mais pourquoi faire la pâte si je peux juste prendre la pâte déjà faite? Voilà, je vais le faire avec du pain. Et pour qu'il soit encore plus bon, je vais verser de la crème fouettée. Ouais, je pense que ça va être génial. La crème fouettée, c'est toujours cool. Voilà, c'est presque prêt. Quelques touches finales. Génial! Kate, il est temps de choisir le gagnant. Waouh! Je m'attendais pas à une telle variété de crêpes. Je pense que j'ai commencé par ça. J'espère qu'ils vont pas me décevoir. La pâte est un peu bizarre. Oui, ça me va très bien. Génial! Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est bizarre! C'est original, mais est-ce que c'est bon? Oh oui! J'aime vraiment beaucoup! Ouais! Alors,
Il reste le dernier candidat. Mamie, j'espère que tu ne vas pas me décevoir. Tellement appétissant! Oh oui! Génial, j'adore! Mamie, t'es la meilleure! Tu sais mieux que quiconque faire de délicieuses crêpes. Ouais! Ne soyez pas déçus, vous aurez de la chance un jour. Vous êtes prêts? Alors préparez-moi un délicieux chocolat chaud. Ça va être fait facile. Pendant que tout le monde discute, moi le plus intelligent, j'ai du gus de Nutella. Isaac, tu devrais avoir honte. J'ai besoin de ce Nutella pour faire du chocolat chaud à Kate. J'ai l'intention de gagner cette tour aussi. Pour cela, je dois mélanger le Nutella au lait. Puis je vais mettre ce mélange sur le feu et bien sûr remuer le tout. Génial. Oh oui, j'aime beaucoup l'odeur. Il est temps que je mette à cuisiner aussi. Sauf que le lait ne s'ouvre pas. Vas-y. Oh non. Maintenant, je suis couvert de lait aussi. Il faut absolument que je gagne. Oui, pour cela, j'utilise les barres chocolatées préférées de tous les habitants de la planète. Avec elles, je suis sûre de garder mon visage propre. Regardez, apprenez. Le chocolat chaud appartient au passé. Aujourd'hui, le chocolat est servi à part parce que c'est plus joli. Et c'est aussi son meilleur goût. Bon, on prend le chocolat liquide. On l'étale sur le moule spécial pour qu'il prenne la forme d'une boule. Après, ça va être vraiment super beau. Je mettrai du cacao à l'intérieur. Et le marshmallow, bien sûr. Je ferme tout ça. Voilà. Et un peu de décoration. Je pense que c'est super. Maintenant, je verse le lait chaud. Je vais juste mettre une boule et ça va être chocolaté. Oh, n'importe quoi. Ma petite fille n'aime pas ça. Elle aime le cacao fait maison. Moi je l'aime bien aussi. C'est quoi l'odeur? Zach, tout chaud qui brûle. Oh, je vais tout étendre. Mais pourquoi le chocolat se fondit pas? J'ai rien cuisiné du tout. Oh, waouh. Oui, ça doit être comme ça. Alors, Zach, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est le cacao, le chocolat chaud? Je ne pense pas. Mais je vais quand même essayer. Non, mais c'est juste beaucoup de chocolat. J'aime pas. Alors, qu'est-ce que mamie m'a fait? Oui, du cacao fait maison. Avec des biscuits. J'adore. Et voilà le dernier candidat. Ouais, c'est super intéressant. Ah, j'ai compris. Il faut le mettre juste ici dans le lait. Wow! C'est de la magie, ça! Est-ce que c'est vraiment chocolaté maintenant? Je vais essayer. Oh! Oui, c'est vraiment génial! Et voilà, c'est évident! Tina, t'as gagné! Bien sûr, c'était vraiment évident. Je suis la seule professionnelle. Maintenant, je veux un gâteau! Un gros et un délicieux gâteau! Oui, je sais très bien le faire. Oh, c'est facile, je peux facilement m'en couper. C'est bien que mamie connaisse les goûts de sa petite fille. Je peux faire exactement le type de gâteau que Kate préfère. Et je le ferai en forme de cœur, pour qu'il soit aussi très mignon. Oui, c'est super mignon ça. Oui, je vais mettre de la crème, bien sûr. En fait, plus il y a de la crème, plus c'est bon. Alors, je vais étaler de la crème sur chaque millimètre du gâteau. Et voilà la spatule. Et je vais tout bien, bien étaler. C'est fait. Comme c'est bon, ça. Et voilà la décoration du gâteau.
Et les meilleures décorations, ce sont des baies toutes fraîches. Je coupe les feuilles et voilà, je décore le gâteau. Ça va être super cool et super bon. Alors, vous aimez bien ça? Un peu mal. Je m'entends montrer comment faire un gâteau délicieux. Je divise les gâteaux en deux, puis je coupe une tranche. Voilà. C'est fait. Ensuite, il faut répéter le geste de la mamie. Oui, oui, mais pas pour longtemps. Une fois chaque gâteau couvert de crème, il est temps de retourner notre construction. Voilà. Nous avons donc la base du futur arc-en-ciel. Et maintenant, on va tout bien colorer. Je suis sûre que Kate n'a encore gâté un gâteau arc-en-ciel. Et avec la spatule, je vais faire comme ça. Génial. Et maintenant, un peu de décoration, bien sûr. Oui, le petit arc-en-ciel avec une jolie drôle de tête, ça va être super. Des petites nuages, bien sûr. Voilà, mon chef-d'œuvre est prêt. Pourquoi vous faites comme ça? Elle va quand même le manger, il faut juste mettre beaucoup de crème. Quoi? Non, mais ça a l'air super. Mais je veux tout bien réparer. Bon, je vais juste vendre le chocolat rose. Je pense que ça va être vite. Ouais! Ouais, génial! Et c'est bon en plus! Maintenant, je vais verser le chocolat sur le gâteau. Avec un moule spécial. Oui, il faut pas oublier la décoration, regardez! C'est cool, hein? Tadam! C'est super beau! Génial! J'ai bien aimé! Oui, tout le monde a bien essayé! Mais je vais commencer par le gâteau de Tina! Il est super bon! Oui, c'est cool, mais il manque quelque chose! Mamie, j'espère que j'ai bien aimé ton gâteau! Il manque quelque chose! Zach, t'as fait un gâteau parfait, n'est-ce pas? Oui, mais les apparences sont trompeuses. Oh oui, j'adore le goût. Génial. C'est super bon. Zach, félicitations, t'as gagné cette fois-ci. Le voilà. Ouais, je pensais que je ne pouvais pas attendre, ouais.